Salut à tous, bienvenue sur Endless Legend avec Damzou, les nécrophages, et dès le début, je me fais agresser par une fermeture des frontières. Si t'en as envie, y a pas de soucis, mec. Ok, alors qu'est-ce que je m'ai fait la dernière fois que j'ai joué? Ah oui, je venais d'arrêter une armée du ver, et je venais justement de comprendre à quel point mes proliférateurs, c'était de la merde. Et là, franchement, je l'avais bien compris. Et il me reste combien de temps encore pour déclarer la guerre? Je me souviens que j'avais une quête qui me dit que si je peux déclarer une guerre dans 6 tours. Faut que je fasse avancer tous mes mecs. Parce que l'autre m'intéresse, où est-ce qu'il en est? Oh punaise, comment il est loin. Donc toi, bah, avance ici. Dis-moi qu'il y a un truc intéressant. Ouais, 80 de brume, c'est déjà ça. Oh, il y a une armée, il faut que j'aille la choper. 800. Ah! Pardon, je corrige. Il y a une armée. Faut qu'ils viennent me choper. Alors, on va corriger. S'il y a des productions partout. Je pense qu'il va me falloir quelques tours pour bien me remettre en place. Pour que je sache quelles sont les villes qui font des choses utiles, quelles sont les villes qui font des choses inutiles. Je viens de me rendre compte que j'ai plus de verre d'acier. Caris, toi il me semble que c'est le moment de réussir ma quête. Voilà. Un proliférateur 3. À toi, il faut tout de suite que j'aille te faire annuler. Donc, j'ai gagné 160 de brume, maintenant à une armée et fouiller une ruine et je gagnerai le laboratoire fongique. Ok. Alors première chose, ok, non par contre, parce que le proliférateur, le premier, me sert à que dalle. On est d'accord là-dessus, ça m'apporte rien. C'est une unité purement de merde, sincèrement. Du coup, il va falloir que j'assimile une unité à distance. Est-ce que j'ai des distances dedans? Minotaure, non. Les Jotus à distance. Peut-être le Jotus. Quoique distance à deux, c'est nul, hein. Ouais, adoration. Merci, franchement, mon peuple, vénérez-moi, ça me fait plaisir. Donc ça, c'était réglé. Ah, je peux choisir mon empire. Oh punaise, je suis blindé en point d'influence. Il serait peut-être temps qu'on change de trois trucs, hein. Si je prends le niveau suivant, ça coûte 1600. Mais quand même, plus 2 sur quartier, je dispose de beaucoup de quartiers. Est-ce que je prends le bonus en science ou est-ce que je prends le bonus? Allez, bonus en science. Il me restera toujours beaucoup. Ça va. Je gagne 160, oui, ça va, j'ai un très bon gain. Ensuite, toi. La question est de savoir, est-ce que je tente de choper ce monsieur-là? Je dirais que non. Par contre, j'irais bien tenter de choper ce monsieur à côté. Si je vais dans ce menu-là, lui, déclarer une guerre, ça me coûte 100 et quelques. Ah, ça arrive, j'ai pas tenu compte de ça. Et si je prends sa place? Il est en paix, mais il n'a pas d'alliance. Ce qui est plutôt bon signe. Du coup, j'irais bien lui péter la gueule. Sinon, il faut que je repère, en fait, c'est où la quête que je dois faire. Il faut que j'aille visiter quelle ruine. Là, il y a un truc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des traiteurs. Attendez, ils m'ont dit d'aller visiter une ruine, mais je vois pas laquelle ils parlent. Il n'y a pas de ruine qui est mise en évidence. En tout cas, pas visuellement comme ça. Yaeg. C'est où Yaeg? Je crois qu'Yaeg, je l'ai pas vu.
Je suis pas dans la merde. Ils veulent que je fasse une quête, je sais même pas où c'est. Bon. Là, on est en train de faire traîner pour n'importe quoi. J'ai deux héros, c'est vrai. J'ai un héros par ville aussi. Ouais. Pourquoi il y a ça, là? Chelou. Il serait peut-être temps que je fasse un petit tour de mes villes, c'est vrai. Là, par exemple, je peux en enlever pour le mettre ici. Ici, on va équilibrer aussi. S'il produit plus vite, il produit mieux. Là, on va faire un peu plus d'or. Ici, aussi un peu plus d'or. Là, un peu plus de production. Toi, c'est bon. Toi, touche. Allez, un peu plus d'or. Et toi, un peu plus de production. Est-ce que je reprends la colonisation? Parce que c'est clair que j'ai encore énormément de terrain que je peux conquérir. Et certainement, ça me ferait du bien de conquérir énormément de terrain. Donc, je pense que oui. Déjà, je vais tenter de déclarer la guerre à lui. J'ai encore quelques tours pour le... Non, tu veux autant. Je fais non, je déconne. J'ai oublié de te changer ton ordre. Parce que apparemment on a le même niveau en combat, il y a juste un gros souci, c'est que j'ai des proliférateurs. Les nécrodromes ils sont bien. Les proliférateurs c'est de la merde. Donc ça c'est mon armée principale. On va augmenter la vie de tout le monde. Ça leur fera du bien. Ah, toi aussi, on va t'augmenter sur autre chose. Attaque sur unité. Je trouve que c'est très très bien. Ah, achat. Qu'est-ce qui se passe, achat? Alors déjà, achat, il leur faudrait une fonderie, certainement. Sauf que avant la fonderie, on va installer un quartier. Ici. Et d'ailleurs, on fait la fonderie. Enfin, une raffinerie, pardon. Mais moi, je raconte n'importe quoi. Mon héros n'est plus... Mon deuxième héros n'est plus très loin. On va regarder en statistiques militaires. Il y a quand même un sacré écart entre nous. Mais c'est tentant quand même, hein, lui déclarer la guerre. Ma deuxième armée, elle peut être là en combien de temps? Non, j'ai décidé mon armée. Tu peux être là en 7 tours. La quête, j'ai encore... 4 tours. On va attendre. Faut vraiment que j'ai mon armée qui arrive. Ah, ah, Agay. Bon, qu'est-ce qui... Toi aussi, on va te faire passer ça au niveau suivant. Agay. Ah, un extracteur. Oui, si un extracteur n'est pas construit, c'est la priorité. Ensuite, on va faire un petit peu d'agrandissement. Là, c'est bien. Comme ça, après, on fera un centre-ville de niveau 2. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. J'ai des villes qui... c'est quoi ça? Mais c'est que ça, en plus, ça, c'est une grosse armée. Et mec, tu me fais peur, là. Toi, tu vas me préparer des... Comment ça s'appelle? Pas tout de suite, dans 3 tours. Dans 3 tours, je vais commander une nouvelle armée. Mais il m'inquiète énormément. Ah, il y a lui qui est de retour aussi. Conclusion. Ah, j'ai pas pu atteindre l'eau. J'ai pas réussi à atteindre l'eau. Parce que là, le verre, il revient. Puis, à mon avis, je comprendrais qu'il soit de mauvaise humeur. Franchement, je comprends. Vu que je vais quand même buter deux armées. Ah, bah, tiens, il est en guerre contre quelqu'un.
Ah bah apparemment, t'es pas en guerre que contre moi. Enfin du coup, t'es en... Ah si j'avais su qu'il y avait une guerre entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'il fait le rouge sinon? Il se casse. Bah franchement, je vais déclarer la guerre. Enfin, je vais le regarder une deuxième fois. Il est en guerre contre lui. Il est en paix. Il n'y a pas d'alliance. Du coup, si je déclare une guerre, je vais quand même bien rouiller la quête. Déclarer la guerre à un autre empire en moins de deux. Bah voilà, ça, on va gagner la chance gratos. Enfin, c'est pas gratos parce que ça coûte quand même ça. Déclarer la guerre. Sauf qu'en attendant, nous, on se casse. Il y a lui qui est là avec son armée de chiens de guerre, c'est des psychopathes. Je suis en train de stocker là. Il va falloir que dans deux villes, j'axe. Ah bah tiens, Rexo, sinon terminé. Là, la ville, à mon avis, elle va pas tenir longtemps. Bah tiens, Rexos, on va... Ah bah c'est la vie. Elle a pas tenu longtemps. Elle est tombée. Déclarer la guerre. J'ai gagné ma chaîne de production, qui est une très grosse science. Du coup, lui, il est content. Mais ce qui se passe, c'est que je suis quand même sournois. Et quand je suis sournois, je suis très sournois. L'extension urbaine, elle coûterait combien? Alors, ici, ça ferait un quartier à 4. Et elle coûterait 1600. Je vais donc la financer. Punaise, j'ai des proliférateurs. Dégâts 74. Ils sont à combien de dégâts, ceux dans mon armée? Ceux dans mon armée, ils sont à 40. Donc, avec de la chance, ils seront peut-être meilleurs, ceux-là. Bon, c'est pas tout. Par contre, on va refaire eux. On va les modifier. Ils sont bien en full palier 3. Du coup, on va en commander quelques. Voilà, tu m'en sors beaucoup. D'ailleurs, eux, je vais les créer. Je vais les envoyer ici aussi. N'y a que lui qui a terminé? Il n'y a que lui, on fait bouger tout le monde. T'as des proliférateurs? Oh punaise, toi aussi t'as des proliférateurs. Oh, je suis désolé pour toi, sincèrement, je suis désolé. Si j'avais su que t'avais des proliférateurs, toi aussi. Ah, changement d'air. Merci. Ça, c'est beau. Récolteur passé au niveau 2. À Vanoran, on va aller voir tout de suite Vanoran. Population qui monte. Du nitrite, de la sanguine. Donc ça fait plein de choses à construire. Pour commencer, toi, tu vas nous faire ça. Derrière, tu vas nous faire un nouveau quartier. Si tu le fais là, ça sert à rien. Le but, c'est de transformer des quartiers qui sont niveau 1 en niveau 2. Si tu le fais là, tu vas faire... Même pas si tu le fais là. 1, 2, 3, 4. C'est parfait, t'en feras 2. Tu feras un double niveau 2. Ça coûte combien? 2000. Allez, on paye. On va accélérer un petit peu certains trucs. Oui, ça coûte combien? Allez. Derrière, tu m'envoies des mecs comme ça. Ensuite, j'avais que ça à faire. Je reprends les armées qui sont par là. Donc toi, de toute façon, tu vas attendre ici. Eh ben toi, on n'est pas pressé de te voir, hein. Bon sang, quoi. Je pense que je vais relancer la... C'est quoi ça? C'est une ressource de luxe, ça, c'est joli.
Ça produit partout, donc je vais les laisser tranquilles. Toi, niveau 4, ça veut dire que je peux... Oh, j'avais même pas investi le premier point. Oh, la bavure. Le booster, on le relance. Toi, tu te ramènes tes fesses ici tout de suite. Et toi, tu vas là. Alors, ça fait une armée avec beaucoup. Celui-là, tu passes à côté. Ça fait 3 proliférateurs, c'est bon, on y va. En avant. Oui, je vous jure, j'ai vraiment dit en avant, mais j'ai juste dit en avant, hein, parce qu'on va pas pousser trop loin non plus. Et je pense que là, comme au niveau empire, on est à fond. Tiens, j'ai aussi fini. Ah, l'hiver. L'ombre a changé, c'est pas bon. On va en chier. On va commencer par la petite production ici. Donc, on va faire ça vu que ça prend que 3 tours. Ça fera pas de mal. Derrière, tu vas faire plus d'or. Moi, je kiffe avoir de l'or. Ensuite, du coup, vous, il faut qu'on essaie de choper cette armée-là. Si je peux lui choper son armée, il va pas être content. Et cette armée-là, je m'en fous de toute manière. Ok, ça c'est fait. Du coup, les sciences. J'ai déjà 2 sciences de niveau 4. Oh, que je suis bon, quoi. Même pas fait exprès. Ça pourrait être pas mal. Les routes commerciales en plus. Ça, c'est juste énorme, il me le faut. Ça aussi, il me le faut. Ça, j'en veux pas encore. Non. La méthode statique. Oui, il me la faut. Non, ça, j'en veux pas. Non, ensuite, ici. Emplacement. Après avoir... Ok, ça, je m'en fous pour l'instant. On va prendre le truc et les ressources de luxe. Je t'ai programmé pendant un petit moment. Tu vas me laisser tranquille. Donc toi t'as bougé, toi t'as bougé. On change de tour. Je suis vraiment un pauvre. Mais comme dirais-je, je suis un putain de pauvre. Population qui monte. Je renvoie le booster. Ah, alors toi, je veux que tu... T'as d'ailleurs, il a repris apparemment le ver clair à reconquérir son territoire. Toi, j'irais bien te tuer aussi. Donc première chose, on va choper cette armée-là. Bah, on y va, prêt au combat, en manuel, toujours. Alors on va regarder, est-ce qu'on a un terrain favorable ou on a un terrain défavorable? Le terrain n'a pas l'air génial. Oh, c'est quoi ces monstruosités? C'est de l'infanterie. Ok. J'ai beaucoup de récolteurs. C'est des tueurs de cavalerie, mes récolteurs. Et eux, c'est des tueurs de personnes. Donc eux, ils sont rapides, on va les mettre là-bas. Eux, ils ont une distance de 3 d'attaque. Toi, t'es aussi à distance. Toi, t'avances là. Toi, t'avances là. Normalement, j'ai tous mes distances qui sont en position de tir. Lui, il jouera en premier. Ok. Alors, sincèrement, j'avoue que je vois pas comment on va faire ça. 1, 2, 3. Attends, ça fait 1, 2, 3. Non, on est positionné. Maintenant, je vais gérer les déplacements. Donc, tu vas aller là-bas, puis attaquer lui. Toi. 1, 2, 3. Tu vas attaquer lui quand même parce qu'à mon avis, lui va bouger. Toi, t'es où? Oh, t'es super loin. T'attaqueras lui. Alors toi, tu vas attaquer lui. Toi, tu vas attaquer lui. Ok, c'est revenu. Toi, t'attaques lui. Récolteur, c'est lequel? C'est celui du bas. Tu vas attaquer celui-là.
Toi, t'attaques devant toi. Toi, tu vas faire ton possible pour te ramener là-bas. Toi, je sais pas où t'es, non, t'es là. Donc, tu vas attaquer devant toi aussi. Et toi, tu vas attaquer le deuxième. Go! Donc, on aura peut-être des pertes. Parce qu'on a quand même des unités qui sont faibles sur certains domaines. Ok. On a commencé à toucher leur cavalerie. D'ailleurs, j'aurais même pu tuer lui. J'aurais pu essayer de tuer lui, peut-être. 43 ou 110! Tueur de cavalerie. Mais eux, c'est pas la cavalerie, quand même. Boum, 37. Ils ont l'air d'avoir la patate, ces mecs. What the fuck? J'ai jamais vu ça toute ma vie. On voit un attaquer si violemment, ça fait plaisir. Oh là là, par contre, j'avoue que là, mes petits lags, c'est pas bon. Je pense que mon PC fatigue un peu. Ouh, que 40, c'est bon. Pan, meurs. 40 seulement. Ok. Donc, de préférence, vous me tuez. Ok. C'est pas très agréable, lag. Donc tu te tues la cavalerie. Toi tu viens aussi pour tuer la cavalerie. Derrière toi tu vas tuer celui qui est derrière. Toi vu où t'es positionné et avec tes deux mouvements, tu peux attaquer celui-là. Toi tu vas attaquer lui. Toi je sais même pas c'est qui. C'est toi pareil, tu vas attaquer celui-là. Tu attaqueras celui-là. Celui-là. Ouais, faut le temps que je les repère. Bah toi, le temps que t'arrives, on est occupé. Toi, t'es où? T'attaqueras celui-là. Toi, avec tes 3 de vitesse, 1, 2, 3, tu vas attaquer celui-là. Toi, t'es positionné là, tu vas attaquer celui-là. Et toi, tu vas attaquer celui derrière. C'est parti. Donc normalement, à 2, ils devraient réussir à buter celui-là. Ah non, pas bah, s'ils tapent à 43, ils n'y arriveront pas. Ah, 9 points de vie, c'est dommage. Ah, heureusement, on a des renforts derrière. On lui a tué un mec, c'est bon. Eux, ils vont prendre la contre-attaque. Mais normalement, ils vont... Mais comment ils font pour faire autant de mal? C'est pas possible. Il y a un truc bizarre, là. 74... 0, ah la firme, ça la firme. 40. Ils sont morts, il reste plus que celui-là. J'ai les moufs qui vont essayer de se rapprocher mais qui vont pas réussir. Pas presque. Lui, ah lui il peut. Est-ce que lui a tapé à... Tout va se jouer sur celui-là. Est-ce qu'il est capable de mettre un coup à 60? Oui, mais même un coup à 75. Bon, bah en fait, on n'aura même pas eu de perte, ça va. Bon, là, dans ce coup... Ah, et en plus, on a créé deux récolteurs. Bon, là, je dois dire que mes mecs, ils m'ont plutôt bien surpris. Juste pour équilibrer, il faut que ces deux-là se cassent là-bas. Allez, à foncer. Et toi, tu continues d'avancer. À notre tour de passer à l'attaque. Et partout, ça produit en chaîne. Donc, j'ai sorti une petite armée d'orange. L'orange va certainement pas être content. Et du coup, il va encore me sortir du marché. Non, je déconne, il l'a déjà fait, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. D'ailleurs, est-ce que je suis hors du marché en ce moment? Ah non, en ce moment j'ai accès au marché.
Va peut-être falloir que j'en profite pour faire un achat du coup. Toi. Ah bah tu peux encore faire un quartier. Et eh ben on arrête jamais. Du coup. Voilà, c'est mieux. Attends, essaie de vue un petit moment. Là. J'ai pas de position particulière. Ce sera forcément sur le long terme. Faudrait que j'en fasse un ici pour en faire trois nouveaux. Voilà, ouais, forcément ça va être long, donc on va commencer ici. Ça coûte combien? 3000. Ah, ça coûte, ça commence à coûter cher, mais cette ville elle est énorme. Franchement, cette ville elle est très très bien développée. Toi, je sais pas pourquoi, mais c'est pas le même mot qui me vient à l'esprit quand je te vois. Donc les extracteurs c'est fait, et derrière on va développer la ville. Ici. Ça coûte combien les extracteurs? 500. Ils sont payés. Et ça, ça coûte 300. Je les aurais bien payés si j'avais les moyens. Si j'avais un peu plus de sous, je l'aurais payé. Alors, faut prendre les armées. Donc, vous deux. Vous venez là-dedans. Toi, en avant, on passe à l'attaque. Cette ville, on va pouvoir la faire tomber. Toi, tu vas essayer de choper cette armée qui est là. Il faut toujours que je continue de trouver des nouvelles troupes d'armée. Mais pour l'instant, mes villes, elles se développent tellement bien que je peux enchaîner l'achat de bâtiments sans problème. Oh, j'ai vu un truc bouger là-bas. J'ai vu une ombre, c'était pas rassurant. À Agay, on en est où à Agay? À Agay, on va d'abord faire un quartier. Donc, on va privilégier de créer un centre-ville de niveau 2. Comme ça. Et ensuite, on fera une raffinerie. Et avec ça à faire, ok. Alors, c'est qui a bougé? C'était eux, on s'en fout. Donc, on passe ici. Est-ce qu'on est dans la ville? Oui, hop, on passe en siège. Toi, du coup, l'armée que tu poursuivis a disparu, donc tu retournes là-bas. Les villes sont produites comment ici? Deux. Passe là, toi. Et c'est toujours occupé à bosser. Petite vérification. Ah, au niveau des boosters aussi, j'ai pas fait gaffe. Celui-là, on pourra le lancer dans longtemps. J'en ai 4 par tour quand même. Est-ce que je peux essayer d'utiliser ça? Regarde, en l'utilisant, j'en ai 1. Je pense que je vais tout utiliser. Van Oren, il a combien du coup? Je vais encore en mettre un coup parce que j'ai pas compté. J'en ai mis là. Je vais en mettre d'autres à Alandrin. En fait, je vais en mettre un partout. Ce sera le plus simple. Chat. Ah, ça me sert à ça, c'est vrai, j'ai fait pas gaffe. Argueil. Franchement, vu que je les ai, autant les utiliser. Van Oren, et enfin pas qu'il y a Van Oren. Putain, ça change que dalle en fait là-bas. Je vais en faire encore un tour ici.
Et chat. Allez, encore un tour à chat. Voilà, j'ai tout utilisé. Et on va arrêter le tour ici. En fait, on se retrouve demain pour le début de l'invasion du territoire du... Ah, je suis passé premier au score! Je suis passé premier! C'est beau! Allez, ciao!